Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Une nouvelle importante et urgente sur le projet TapSwap. Urgence, urgence, tous ceux qui sont dans le papotage de TapSwap, il y a une information importante que tu dois savoir et que nous allons analyser pour toi dans cette vidéo. Comme je l'ai promis, nous allons aller non-stop maintenant sur le projet Tape to Earn. Quand il y a une information, directement une nouvelle vidéo pour que tu sois informé. Donc, pour ne pas rater ces genres d'informations, ces genres d'analyses, abonne-toi rapidement à cette chaîne pour être informé. Les gars, nous savons, nous connaissons tous le projet TapSwap. Qui ne connaît pas le projet TapSwap ici? Tout le monde connaît le projet TapSwap. Le Tape to Earn, qui tentait scammer, qui est revenu, qui je ne sais pas quoi. Les gars, nous tous, nous connaissons le fondateur de Telegram, le cofondateur, je dis le CEO de Telegram, hein, Pavel Durov, je crois bien. C'est un russe apparemment, mais qui est maintenant, qui n'est plus en Russie. Qui a créé Telegram? Et aujourd'hui, ce monsieur vient nous dire son lien avec TapSwap. Les gars, c'est énorme ce qui se passe maintenant. Ce jeune homme, hein, ce petit frère, ou ce frère de 39 ans actuellement, qui est né en août, 10 août 1984, on va faire sa biographie, et mieux encore, qui a un patrimoine de 15 milliards de dollars en 2024 selon Forbes, ce jeune homme est en train de nous envoyer un message fort. Quel est ce message qu'il nous envoie? Les gars, sincèrement, nous allons analyser de fond en comble le message qu'il nous envoie. Parce que c'est un message important. Ce message qu'il nous envoie, les gars de TapSwap l'ont partagé. Mais ce qui m'étonne, c'est que le fondateur de Telegram n'a pas parlé de hamster et il parle de TapSwap. Le gars nous parle de TapSwap sur son compte Telegram à lui, hein. Le gars nous parle sur son compte Telegram à lui-même. À lui-même. Les gars, c'est gâté, c'est chié. Le fondateur de Telegram qui parle de TapSwap. Et écoutez ce qu'il dit. C'est lui ici. Il a, je crois, il doit avoir 2 millions. Il doit avoir 2 millions de personnes qui le suivent. Le gars nous dit simplement, hein, le mini, voilà, le mini jeu TapSwap, l'application TapSwap, hein, a pris d'assaut Telegram et regorge de 56 millions d'utilisateurs. Donc ça veut dire simplement que les gars de TapSwap, celui qui a créé Telegram, il peut voir qui ment ou qui dit la vérité. Je ne sais pas s'il veut dire que les gens de Hamster comment mentent, parce qu'ils sont arrivés à 200 millions d'abonnés, mais 200 millions de joueurs, mais il dit que le mini app TapSwap a pris d'assaut Telegram. Et il nous dit simplement, c'est une folie. Hein? C'est une folie la popularité que le projet TapSwap a obtenue en quelques mois sans faire de marketing. Les gars, le projet n'a pas. Donc, le projet TapSwap est venu, elle n'a pas fait de marketing. Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce que c'est vrai que le projet TapSwap n'a pas fait de marketing? Réellement. Parce que les gars, ils n'ont pas fait grand-chose. Hein? Mais quand tu prends Hamster Combat, les gars, ils ont YouTube, ils donnent des cartes, ils motivent les gens à être présents, etc. Mais réellement, je ne sais pas si le fondateur de Telegram, hein, Robert, il est conscient que Hamster Combat dépasse TapSwap. Alors, il continue, il dit, l'audience de TapSwap est, elle seule est plus large avec les anciens projets. L'audience de TapSwap est plus large que les anciens projets qui étaient dans la blockchain, dans la blockchain de Telegram. Qui est le projet quoi? Le projet Tonton Coin, les gars. Je dis une chose, hein, cette monnaie-là, tu peux la négliger. Tu peux la négliger par tous les voies et moyens. Elle aussi va te négliger. Gardons-le ça parce que le fondateur de Telegram, c'est à lui, c'est à eux appartient le Tonton Coin. Et le Tonton Coin aujourd'hui est une monnaie qui se retrouve dans la blockchain, et plutôt les mini APP. Il n'a pas dit minage, hein, il dit mini APP, d'accord, un mini APP de jeu. Et il dit l'équipe de TapSwap s'appuie judicieusement sur Telegram pour la distribution et sur Tom pour créer sa blockchain. Donc ça veut dire que les gens de TapSwap ne disent plus rien. Quand vous allez sur leur site, vous allez voir qu'il n'y a plus rien qui se dit ici, hein. Il n'y a plus rien qui se dit ici. Avant c'était Solana, maintenant c'est plus Solana. Maintenant ils sont dans le projet Tom. Et maintenant ils nous expliquent que réellement, et le fondateur de Telegram, qui est le même fondateur de Tonkoin,
nous disent toujours ceci. Donc, ils vont distribuer les tables soit sur le projeton et voilà, la suite, on la connaît tous bien. Et maintenant, il nous dit simplement, ce n'est pas fini son message, c'est la fin de son message qui me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir dans plusieurs sens. On dit, TapSwap a réussi. TapSwap est une réussite inspirante pour tous les développeurs créant leur application sur Telegram et sur Tron. Bravo et bonne chance. Les gars, qui ne connaît pas ce monsieur-là? Tout le monde le connaît. Non, franchement, tout le monde le connaît. C'est un milliardaire caché, mais qui ne parle pas beaucoup. Mais quand il parle pour parler. La dernière fois, c'est la même personne. Hein, les gars, c'est la même personne qui a soutenu le projet Note. Non. Le gars même a soutenu le projet Notecoin. Je vais vous montrer. Il a soutenu le projet Notecoin. Il a bel et bien soutenu le projet Notecoin. Et maintenant, son deuxième soutien, voilà ici. Il avait dit ça en juin, le 6 juin. Son deuxième soutien vient encore sur le projet, Hamster. Est-ce qu'il est conscient qu'il y a un projet qu'on appelle Hamster? Parce que franchement, actuellement, beaucoup de personnes sont en train de réfléchir. Oui, est-ce que le fondateur de Telegram connaît, sait qu'il y a un projet qu'on appelle Hamster? Est-ce qu'il sait que Hamster dépasse TapSwap? Mais pourquoi il va maintenant parler de notre coin? C'est de la même façon. Regardez ce qu'il disait. De la même façon, au mois de 17 mai, il fait comme il est en train de le faire maintenant. Il dit simplement, le mini app de Telegram qui regorge de 35 millions d'utilisateurs actifs en quelques mois. Ces mêmes phrases, il les a répétées ici. Franchement, les gars, ça, moi, personnellement, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le groupe VIP. Si tu n'es pas encore VIP, cherche à être VIP parce que dans ce groupe, nous faisons des analyses importantes et délicates. Et mieux encore, si tu n'es pas encore dans notre channel Telegram, sûrement tu regardes cette vidéo, tu as déjà téléchargé Telegram. Tu peux t'abonner rapidement en cliquant sur le troisième lien de la vidéo, en t'abonnant à notre channel pour être informé parce qu'on va toujours faire des vidéos comme cela. On s'en fout. Quand il y a une nouvelle maintenant, même que ce soit à minuit, on va être présent pour t'informer. Donc, ne ratez aucune vidéo, activez les cloches de notification et mieux encore, soyez présent dans notre groupe VIP pour profiter des analyses encore plus approfondies. Donc, le gars nous parlait encore une fois de plus de la même façon à parler de notre coin. En mai, c'est de la même façon, il est en train de parler. Non, il dit là, le mini app a gagné, voilà, en quelques mois, 35 millions d'utilisateurs. Ici, maintenant, il nous dit 56 millions d'utilisateurs. Il nous parle encore que le nôtre va sortir sur la blockchain de Tron et sur les échangeurs. De la même façon, il apprécie l'équipe de TapSwap. Les gars, c'est chaud, c'est gâté, c'est chié. Tapotez simplement parce que ce qui se prépare, nuit dans la boue de cristal. Reste focus sur la chaîne et surtout sur notre channel et mieux encore dans le groupe VIP pour être informé des informations que nous aurons à donner, des analyses que nous aurons à faire. À la prochaine et ciao.